voilà, on va recevoir encore une autre sœur. Ça va être la dernière personne, je crois, qui va nous partager aussi son point de vue, qui va nous partager, en tout cas, ce qu'il y a dans son cœur face à ce message. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Alors, on va se tutoyer pour faire plus simple. Bien sûr. Tu t'appelles comment ? Alice. Alice, tu nous viens d'où comme ça ? De l'Allemagne. De l'Allemagne, oh oui. Bon, je ne sais pas comment dire bonjour en allemand, mais en tout cas... Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Bon, voilà. Alors, tu es là depuis hier ? Oui, je suis là depuis hier. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la divinité de Jésus-Christ ? En tout cas, ce que tu as compris, ce qu'il y a dans ton cœur. Alors, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que je pourrais conseiller à tout chrétien, c'est d'ouvrir simplement son cœur. Amen. On a été longtemps mal enseigné. On n'a pas souvent pris le temps de lire la parole nous-mêmes. Je crois que le Seigneur veut vraiment que tout enfant soit, tout homme soit sauvé. Et donc, ces deux jours ont été encore un enrichissement pour moi particulièrement. Et j'ai encore... ça a été une fois de plus, une confirmation que Jésus est Dieu. Et quand on le réalise vraiment, je crois qu'on ne va pas le dire en vain. On va le dire vraiment de toute foi. Et amen. J'exhorte tout chrétien, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, parce qu'on a tous été formatés par la science, plein d'autres choses que nous avons bien acceptées de tout cœur. Mais quand il s'agit de la parole de Jésus, tout le monde prend de l'écart, personne ne veut l'écouter. Alors je dis simplement que chacun ouvre son cœur réellement et laisse le Seigneur parler dans son cœur, parce que c'est lui qui sait mieux le faire. Bien sûr, évidemment, nous remercions tous les frères et sœurs qui se donnent la peine de parler de Jésus comme il s'est révélé à eux, et ça encourage beaucoup de personnes. Donc pour ceux qui pourront passer à Évry, j'encourage tout le monde et je dis au Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait pour moi particulièrement, parce qu'il a parlé à mon cœur et je ne regrette pas de l'avoir connu. C'est un grand Dieu et je conseille à tous ceux qui auront la grâce de l'écouter, de vraiment ouvrir leur cœur et de le laisser parler. Amen. Et en tout cas, nous bénissons le Seigneur, en tout cas pour ces deux jours de formation biblique sur la divinité de Jésus-Christ, qui ont vraiment été très édifiants, très fortifiants, il n'y a même pas de mots pour qualifier. En tout cas, on bénit Dieu pour les écailles qui tombent, pour la manière dont on saisit davantage les choses, on s'accroche, on se dit, waouh Seigneur, tu continues toujours à parler, et le Seigneur, ah, il est merveilleux. En tout cas, de chez vous, je pense que vous pensez comme moi, en tout cas, et je bénis Dieu, et en tout cas, soyez fortifiés, encouragés, et nous allons, on en a fini pour ce soir. Alors, samedi, alors voilà, on me rappelait, samedi, il y a réunion de la jeunesse qui débute à partir de 14h. La réunion des jeunes, on précise bien de la jeunesse. Soyez nombreux, en tout cas, venez ensemble, je suis jeune aussi, ensemble, adorer le Seigneur, voir ce que le Seigneur a à faire. Venons nous libérer s'il y a des choses qui ne vont pas. Et franchement, Dieu est là pour nous. Donc, ne manquons pas la journée de samedi, et le Seigneur nous fera fortement, fortement, fortement du bien à nous tous, moi y compris. Et je nous dis à samedi, et très bonne soirée, que le Seigneur vous garde. Au revoir.